X-Men. Léa Salamé joue leurs atouts et sont les rois de la politique à la télé. Raphaël Glucksmann, Léa Salamé, les risques de toute la République et de l'amour. Le débat des européennes a lieu ce soir sur notre antenne et sur France 2 sans Léa Salamé, mais avec le candidat Raphaël Glucksmann. Ils sont avec nous ce matin en studio. Bon Raphaël, il faut que tu donnes tout ce soir là. Ouais, c'est promis Pupus. Arrête de m'appeler Pupus, ah ouais, parce que là j'ai les chiffres, c'est pas brillant. C'est-à-dire ? Bah, y a encore 23% des Français qui te confondent avec Raphaël Antoven, ah ouais. 12% avec Raphaël Mesrahi et 2% avec Philippe Geluck. Ah mince. Au fait, c'est toi qui as réglé la facture de téléphone ce mois-ci ? Raphaël, concentre-toi s'il te plaît. Je veux dire, c'est sérieux, là, tu joues gros. Hein. Ah, tu penses que je peux gagner ? Ah bah non, ça quand même pas. Enfin, ouais. J'essaye de nous éviter une humiliation. Ouais, mais ce soir, ça va être un foutoir pas possible. Hein. On va être 12, quoi, c'est énorme, 12. Oui, ah bah ça, c'est plus que le nombre de tes électeurs. Bah, ouais. Tu me charries, là. Mais oui, j'ai quitté mon boulot pour ta candidature, je te rappelle. Mais je sais, Pupus. Arrête avec Pupus. Oh, écoute, j'ai laissé derrière moi des collègues de travail merveilleux. Ouais, je sais, ouais, Thomas Legrand. Et d'une compétence rare. Ah non, tu parlais de Dominique Seux, alors. Entre autres, ouais. Et puis, Charline me manque énormément. Ouais, bah, je comprends, elle est tellement drôle. Elle a tellement de talent. Oui, arrête, ça va se voir là par contre. Focus, Rafou, refus. Ouais. Alors, t'as bien révisé les fiches que je t'ai préparées ? Ouais, les fiches, ouais, je les relirai dans le Uber. Non, mais de toute façon, t'inquiète, j'ai déjà tout révisé avec Olivier. Donc, Olivier Faure. Le premier secrétaire du PS. Ouais. T'as bien écouté tout ce qu'il t'a dit ? Tout, 100% focus, j'ai tout noté. Parfait, bon. Bah tu fais exactement l'inverse. Il n'y a pas de mais. Faire l'inverse du PS, c'est la base. Waouh, t'es trop forte, Pupus. Mais t'es belle quand tu te mets en colère comme ça. Focus, Raphaël, focus. Ouais. En fait, Alexandra Ben Saïd, tu la connais un peu, elle est sympa ? Ouais, alors la méfiance, parce que même pas deux semaines qu'elle me remplace, hier, elle a déjà invité Benoît Hamon à la matinale. Ah, la traîtresse ! Non, mais j'ai peur, du coup, tu veux pas venir avec moi ce soir ? Écoute, on en a déjà parlé, je peux pas être partout. Ah bah tu dis ça parce qu'hier j'ai pas voulu descendre les poubelles, c'est ça ? Non écoute Rafou, cette émission je la connais par cœur, ouais. Je la connais comme toi tu connais le menu du café de Flore. Bah ouais, mais si tu cuisinais un peu... Ouais bah ça va, allez un petit test, ouais. Si tu dois résumer en 10 secondes, ton message tu dis quoi ? Message, je sais pas moi... Allez vite là. Que mon but c'est de rassembler toutes les forces de gauche afin de leur montrer qu'ensemble tout devient possible. Tu plaisantes là ? Quoi ? Ensemble tout devient possible. Ah non pardon, j'ai des restes de 2007 quand je soutenais Sarkozy. Mais franchement t'avais quoi dans la tête en 2007 pour voter Sarko, ben sérieux ? Non, mais je voulais voter Alain Madelin, mais il était pas sur la liste. Bon, sinon, ils t'ont demandé de ramener un objet qui symbolise l'Europe, non ? Ouais, j'ai pensé à ma carte Flying Blue d'Air France. Quoi ? Ouais. Mais tu veux faire élire Yannick Jadot ou quoi ? Oh, quand t'es en colère comme ça, mais t'es belle, Pupus ! Mais arrête de m'appeler Pupus ! J'appelle France Inter, je sens que je vais revenir plus tôt que prévu, Nicolas. Rafou et Pupus ! Risque tout la République et de l'amour.